là, définitivement, vous pouvez faire une conférence de presse spéciale au LRT, puisque, comme nous tous connaissons, ça a posé LRT, là, il prend gaz d'Estaing Maurice pour les 50 ans à venir. Mais pour aujourd'hui, moi, pour être strictement lourd, l'actualité politique, c'est-à-dire l'affaire Sobrino et ses recours de drogue. Donc, ça, concernant donc l'actualité, je constate que le pays est en état de choc après l'affaire Sobrino et après sa saisie record de 2 milliards de roupies de la drogue à la douane. La priorité dans l'immédiat pour nous, c'est empêcher un double cover-up. Et il y a un danger bien, bien réel. Mais au-delà de cela, le pays constate qu'il quantité l'urgence amende la loi pour combattre corruption, trafic de drogue, enrichissement illégal, etc. Surtout de la loi bizin. Il n'y a plus de gens qui jamais viennent de l'avant avec la loi, le financement de bonne partie politique et un nouveau Declaration of Assets Act. Un nouveau la loi, parce que la loi qui nous est actuellement absolument useless, mais une vraie Declaration of Assets Act, avec tout bon détail requis, rendu public. Et avec une peine de prison prévue dans sa loi. Le MMM renouvelé de façon solennelle sur l'engagement de Vigne de l'Avant, prochain gouvernement avec sa bonne loi. Et comme nous tous connaissons, pas cause à la lésienne. L'alliance au pouvoir actuellement, c'est dans notre programme, ça. Mais l'éclair. Qui, avec MSM au pouvoir, pas pour ENA. Ça dé la loi. Il n'y a pas que les autres la loi aussi, pas pour ENA, mais ça dé la loi priorité à la loi, le financement d'un parti politique et un nouveau Declaration of Assets Act. Pas pour ENA tant qu'il y a MSM au pouvoir. Et nous nous renouveler de façon solennelle, nous l'engagement de Vigne de l'Avant, priorité avec ça la loi. Mais à part la loi, c'est que le pays demandait, c'est un grand coup de balai, un grand nettoyage. Dis-moi, honte, le mood dans le pays, c'est que tout perd pourri. Scandale après scandale après scandale. Donc, bizin, d'urgence, ça mène la loi là. Mais bizin aussi, un grand nettoyage, un grand coup de balai dans le pays. Morévinlo, les deux affaires séparément, N, ça issue de la drogue là, et ensuite l'affaire Sobrino. La drogue, l'histoire n'a pas pardonné. Il y a 32 ans de cela, fin 1985, avec Aniru Jagnat, premier ministre à la tête du pays, Amsterdam Boys. C'est une répétition de l'histoire 32 ans plus tard. Manzen n'a pas fait une conne à l'époque là. Que trafiquant la drogue allait venir librement, causer le gouvernement dans nous la mer, qui était qu'ils ont pu faire menace, Dimoun, tout y Dimoun. Prends l'argent dans tant en trafiquant la drogue dans l'hôtel gouvernement. Fin 1985, Aniru Jagnat, premier ministre, gouvernement dans nous la main. Bon trafiquant la drogue du pays. Blablabla, beaucoup avec Aniru Jagnat. Mais quand nous avons le résultat, 32 ans plus tard, avec ce garçon comme premier ministre du pays, saisi, recours, jamais, nena, des milliards saisis.
à la douane. L'histoire n'a pas pardonné. Et ça, l'épisode-là, il n'est pas out of the blue, ça, il est dans un contexte. C'est un éditeur qui nous peine trouvé. Saisie de drogue. Un Mauricien fait trafic de la drogue à La Réunion. Disparaît. Fon, n'est plus tendé. Moi, tu as le déposé devant la commission d'enquête. Et Timothy dénonce une mafia à la drogue arrivée à dire emparée dans les Nord. Qui est arrivé? Qui est arrivé? Et la police mort, soi-disant, suicidée dans ce cellule. Assis par terre, soi-disant suicidée. N'est plus tendé, fon. Madame Boyga, député Boyga et ce frère, fon, n'est plus tendé ça. C'est ça l'ambiance, ça, que ça gouvernement là. C'est pas Gisman Toura. C'est pas un clear bookmakers, les enfants la case. Un avocat MSM, mêlé plein dans la drogue, dans une profession. Donc, si aujourd'hui nous retournons dans une situation comme ça, qui ramène nous 32 ans en arrière, c'est dans un contexte, blablabla bla, bla, beaucoup, avec Aniru Jagnat et maintenant Pravin Jagnat, mais à la résultat. Et Saboug, qui ne trappait là, nous tout connaissons. C'est un enfant la case. De honte, de me dire, non, une couenne, comment tu oublies dans le meeting? Allez, vini, dans cette tresse. Les enfants la case, cette tresse. D'appartement, combien de fois cisé dans la galerie VIP, s'il vous plaît, à l'invitation du gouvernement, à l'invitation du MSM plutôt. Et Pravin Jagnat prend précaution, il n'est pas dans mon délégation, à ce moment-là, checker s'il n'est pas dans même l'avion, et où là. Pas montrer, dis-moi, hein, un an là. Et vrai, même l'in retrouve, lui, hein, là, en septembre 2016. Il s'est là, allez, des jours après, Pravin Jagnat, allez, donne balle dans l'aine. L'enfant la case, l'enfant la case. S'intéresse à aller venir ensemble, la main aux épaules, et je me trouve. Qui qu'un indi m'a dit, combien casse? Combien casse besoin pour importer des milliards, valeur marchande des milliards à la dog? Mais combien casse une donne MSM, sa qualité du monde? Et s'il vous plaît, Bougla, l'ici. L'ici des allocations, accusations de corruption. Il s'est corrompu fonctionnaire. Il a droit voyager. Sauf quand la police permet. C'est moi riais comme tout. Moi, c'est tout un là. Tu te la même une beauté. Dans l'Express, ça. Oui, dans l'Express du 17. Moi, ça, la police s'intéresse au voyage de Déoudani. Mais ben, qui la police s'intéresse? C'est quel passeport office? Moi, il a toutes les données. Un bouc qui prend le droit de voyager. La police permet de voyager. C'est un coup ce chiffre exact. Sept fois. Depuis l'élection. Sept fois. Aller venir en Madagascar, Dubaï,
Qui dit à l'enquête, la police vient faire l'enquête. Mais la police même qui donne permission. C'est à tel du monde dans la police qui intervenir. Et quelle coïncidence, hein? Juste la veille, qui m'a senti là pour entrer, pas dire, moi, tout le monde pas connaît la veille. Juste la veille, rendre ce passeport à M. Intel. Et M. Intel fly, il est dans l'Afrique du Sud. C'est un lauréat, tout ça. Voilà où on en est en ce qui concerne la drogue. 32 bananes après Amsterdam Boys. Movine l'affaire Sobrino. Selon mon renseignement, n'a rien la police pas encore fait. Je le rappelle, un email du solliciteur général, in leak. Quand avec raison le solliciteur général, tu peux demander à la FSC, mais bien la police souveraine l'enquête, puisqu'il y paraît qu'il y a une fausse déclaration qui nous donnait pour qu'il y ait un tel obtenir une PMI, une licence. Avec raison, donc, le solliciteur général, pas n'importe qui, le solliciteur général, il y a besoin. La police, pardon, FSC tire un communiqué. La police tire un communiqué qui fait un référé, pardon, FSC tire un communiqué qui fait un référé à la police. D'après moi, mon renseignement, zéro. Pas encore faire, non, rien. Et si pas pour faire quelque chose, c'est là mon renseignement. Donne-nous renseignement si vraiment il nous verrait une enquête. Mais dis-nous. Est-ce qu'il y en a quelqu'un de la FSI qui a donné une déposition à la police? Ou bien qui nous dit ça comme ça? Si oui, qui c'est là, quand? Et je me rappelle qui Iqbal Rajabali et Mohamed Baye, professeur Mohamed Baye, nous dit. D'après moi, mon renseignement, pas encore même la police, pas encore même pas un statement à eux. Zéro. Et je me rappelle qui nous fait causer un arrestable offense, là. Donne faux renseignement à la FSI pour obtenir une licence, c'est un arrestable offense. Par contre, dans un communiqué en date du 2 mars, la FSI, tu viens de dire, il donne l'autre à la compagnie de M. Sobrino, qui gagne sa licence-là. In the result, Lord, in view of the foregoing, the licensees have been requested not to start operations without the prior clearance of the chief executive. En passant à remarquer qu'il y a avec raison, il souligne. Par quoi commencer l'opération? Acheter l'auto 40 millions? 40, c'est pas moi, mais il y a 10 comptes. Qualité, là. Mais là, est-ce qu'il y a un catimini? Alors que la police, d'après mon renseignement, pas qu'on fait rien, est-ce qu'en catimini, il lève sa interdiction d'opérer là, l'Ossabane compagnie là, FSI, ils informent la population, surtout s'il fait lien en catimini. Et. Nous ne bien retenir à nous vis-à-vis de la présidence de la République, mais aujourd'hui, nous bien soulève certains points. On sait qu'il y a un document qui montrait Planet Earth Instituto Limited, c'est une compagnie, pas une ONG, pas une charity, je ne sais pas quoi, c'est une compagnie enregistrée en Grande-Bretagne, à Londres, sous le Companies Act. Là-bas, l'équivalent de Register of Companies, c'est Companies House. On ne sait qu'il l'information. Donc, j'ai enregistré Planet Earth Instituto Limited, c'est une compagnie.
enregistré en octobre 2010. Et moi, je circule aussi un document qui avait le bureau Internet, comme tout quelque chose, qui montrait que le 1er juillet 2015, pas 16, le 1er juillet 2015, la présidente actuelle de la République est nommée comme un directeur d'une compagnie. Cinq juin, il s'est nommé présidente. Le mois suivant, 1er juillet, nommé le board d'une compagnie. Est-ce qu'il est légal? Est-ce qu'il est constitutionnel? Mon siècle, qu'ils ont la section de la Constitution de Maurice, qui est attrait à la présidence, section 28, sous-section 4. Where a person is elected to the office of the president, he shall not, whilst in office, one, hold any office of emolument, whether under the Constitution or otherwise. Est-ce que le poste, le office, le poste d'un directeur d'une compagnie n'est pas un office of emolument? Moi, on dit oui. Nous consultons entre nous, on dit oui. Et même si le président vient dire oui, mais il nomme moi, il n'est capable d'un office of emolument, mais moi, pas une prendre en casse. Ce n'est pas la question. La Constitution prévoit ça. La Constitution prévoit aussi qu'un dimon qui est nommé président shall not exercise any professional call or calling or engage in any trade or business. L'idée dit clair ça. Le président de la République, c'est un full-time job. Et il est bizarre au-dessus de tout soupçon. Il ne faisait pas mêler dans quel business, company business. Ça, là, le plan constitutionnel, là, le plan légal. Après, il y en a le DSD à State House. Mais nous, pour bien connaître, pour bien dire à nous, qui c'est là qui prend ça l'initiative, là, qui finit le rôle de la présidente de la République, qui c'est là qui choisit le choix. C'est un amène M. Sobrino, là, qui s'est choisi le choix de mon invité. Nous finissons bien retenir à nous, mais ce qui est clair, c'est que la présidente de la République finit disqualifier lui-même comme présidente de la République. Je ne vais pas dire plus que ça, mais pour nous, il est clair qu'il est disqualifié lui-même. Une base constitutionnelle, légale, mais aussi de par son comportement dans l'affaire Sobrino. M'aurait demandé, assez avec Bank of Europe, rendre public, dans le cas de l'affaire Sobrino, rendre public lettre qui FSC ou whoever, qui soit disant écrire au Portugal pour demander certains renseignements, là, M. Sobrino. Rendre public la lettre. Pas si c'est pas un amour, hein? Mais rendre public la lettre qui finit sur de Maurice pour aller au Portugal et qui finit, ça disait, oh, gagne une réponse. La population a droit contre la vérité. Et moi, pour demander aussi, selon mon renseignement, il y en a un échange de correspondance, lettre ou email, entre la Banque de Maurice et State House. C'est bon rendre ça aussi public, dans l'intérêt de la présidente de la République lui-même. Si vraiment pas pour un envelope, rendre public la lettre de Maurice, la réponse, soi-disant, du Portugal, et si finena, comme mon renseignement dit, mon échange de correspondance entre la Banque de Maurice et State House, rendre ça aussi public. Je termine Lorraine mensonge grossier et au fond ridicule. Il y a un mensonge grossier et ridicule de Ivan Koulendavelou, Lorraine en radio, cette semaine même. Quand il vient dire,
qui finalement le Finance Act, finalement à travers le Finance Bill, cette année-là, 2016, alors, quand ils donnent pouvoir à la FSC, pour donner une licence pour investment banking, c'était une grande nouveauté, une casse-paquet. C'est un mensonge grossier et ridicule au fond. Je vous rappelle, les autres. Le Banking Act actuel, il remonte à 2004. C'est un bon Banking Act, un grand pas en avant, par le gouvernement 2000-2005. Et sous la loi, sous le Banking Act, c'est la Banque de Maurice seulement qui tient la responsabilité de tout quelque chose banking. Toute qualité licence, toute licence, n'importe quelle licence, c'est l'ITI relève de la Banque de Maurice, 2004. Et tient à cette définition de banks, de banking, etc. En 2007, amende le Banking Act pour inclure Islamic Banking. Mais ce qui est plus extraordinaire, et qui montrait, qui dénonce le mensonge grossier et ridicule de c'est qu'il y paraît pas même connaît. Il y paraît qu'il y a une jargon, une blie, qui en 2010, en 2007, amende le Banking Act pour spécifiquement donner à la Banque de Maurice la responsabilité de réguler Islamic Banking. En 2010, amende à nouveau le Banking Act, cette fois-ci, et spécifiquement pour donner à la Banque de Maurice la responsabilité de réguler investment banking. Qui c'est la ministre des Finances, Pravin Jagnat? Il annonçait dans son budget, il mettait dans le Finance Bill, et il prend la parole dans le Parlement. Dans une date sur Hansard, tout. Donc, en 2010, amende le Banking Act pour ajouter Investment Banking Business. Pas-t-il là-dedans? Pas-t-il spelled out, pardon? Pas-t-il spelled out? Mais toute la responsabilité pour banking, c'était la Banque de Maurice. Et il reste la responsabilité de la Banque de Maurice, y compris Investment Banking. C'est Pravin Jagnat, ministre des Finances, qui fait ça. Et quand il prend la parole, Hansard, du 17 décembre 2010, quand il prend la parole, le Finance Miscellaneous Provisions Bill annuel, à un moment donné, dans ce discours, il dit, moi cite mot à mot, quand il résume tout ce qu'il y a dans le Finance Bill, il vient dire, the Banking Act is also being amended. Banking business will henceforth cover private banking and investment banking. C'est honteux. Mais la vérité, il y a. C'est la Banque de Maurice seulement qui tient la responsabilité de tout banking jusqu'à 2016. Quand Pravin Jagnat, le même Pravin Jagnat qui amende le Banking Act en 2010, en 2016, amende-le pour tirer investment banking avec la Banque de Maurice pour donner-le à FSC. Les faits sont là, la vérité est là. Il est déplorable et honteux qui est le numéro 2 de nos pays, capable d'y avoir un mensonge grossier et ridicule aussi de sa l'ampleur. Merci. Je me passe la parole. Quand ça fait à la paix rentrée.
qui s'y lève, qui grossir, qui couler. Non, ça, quand il est arrivé là, l'opinion du public, il n'en va pas pitié. Mais. Ouf! Madame Badel, mais j'ai dit le prêtre explique. Well, en quoi? En cours. En temps vigueur. Vous avez raison. Ben, si tu dis ça, mon. Pas de checker, mais il paraît clair. Pas encore écrit, dit mon Dieu. Quand il était tribunal, tout ça, tu es mon bloqué. Mon bloqué en Badel. En tout cas, c'est pas ça, on mène la loi comme ça, qui pour qu'on résoudre ça. Ça va être un problème qui nous fait causer là, hein, trafic de la drogue, enregistrement illégal, de cette façon-là, l'affaire sur le vidéo, c'est certainement pas. Il y a comment il appelle un déclaré, well, un explain. Oui. Vous pensez que la mafia est dans l'autre sphère du pouvoir là? La mafia, il ne faut pas dire ça. Ou les mafias. Les mafias. À travers les mondes ou bien à Maurice. Et là, nous, à Maurice, en tout cas, moi, je connais. En tout cas, quand il s'agit de mafia, nous disons, dans Maurice, il y a un groupe de gens qui peut faire une mauvaise affaire. Il est évident. Il est absolument évident. Maurice, il y a un pourri qui appelle pourri. Là, c'est encore une bizarre. Dans cette affaire, la drogue, là, moi, tu as un magasin qui a 100 millions. D'après moi, bien plus que 100 millions. Oh. Valeur marchande de milliards, mais pas expert. C'est là, pour moi, je me demande pourquoi. Mais mon pensée de l'argent qui me disait, voir cette bébête-là, bien là-haut, 100 millions. Mais ça, qui assez là, tu vas l'enquêter là. Martinaz, il ne va pas vous connaître, nous, qui m'en a la tête à dessous, qui me dira la commission d'enquête. La commission d'enquête fait dérouler, ça, quelque chose, ça fait dérouler. Et là, et nous, pauvres mortels, nous ne pouvons pas connaître que c'est dans ça à dessous. En dessous, la police, ça, supposé, papa là, qui est en sens, manteau, on ne tombe pas même là. À la petite diamant, on peut faire beaucoup. On sent, ça m'a dit, là, il y a quelque chose là. Il tire du flair. Non, il vient bien grave. Hein. Comment dire, il ne peut pas même connaître à dessous. Il n'est même pas clair. Ce qu'il a dit dans le gouvernement de Gazette, pas encore détaillé, qui va une responsabilité du même au ministère. Nous t'en dire. Passeport. Tu m'entends, les passeports. C'est un bazar, personne n'est plus connu. Qui c'est un responsable quoi? À un moment comme ça, mais vous voulez, c'est ce que vous appelez mafia, c'est vrai, mafia, mafiosi, on va profiter. Vous pensez qu'ils ont fait la carte d'identité à l'insu du Premier ministre? Comment vous connaissez, papa? La drogue. Sinon, Stoblin. Philanthropique. Enfin, dis-moi, clair. Philanthropique. Ok, dis-moi. Là, nous une compagnie enregistrée sur Compagnie Mac, qui n'informe. Registrar pour communiste ou équivalent dans l'Angleterre qui, madame là, et qui quitte. Date là, il est au camp. Ça, c'est une bonne explication au président de la République. Fin de l'avant, dit à nous, donne tout bonne l'information. Et jusqu'à peu du contraire, pour nous, il nous disqualifie comme président de la République. Ça nous vice-président, c'est la perte. Mon papa cause vice-président, si papa, mon papa cause directeur d'une compagnie. La loi est claire, une compagnie enregistrée sous le Companies Act, il y a un directeur d'une compagnie. Vous pensez que
même si compagnie là, il y en a en Angleterre, ça n'a jamais mis en compte au territoire mauricien, c'est ça qui apply. An official MOU, man. Enfin, franchement, je ne pas comme directeur de compagnie qui chaise cadeau. Et il n'est pas normal, en fait. Il n'est pas normal. Donc, moi, mon point, c'est que directeur d'une compagnie, c'est un office of emolument. Même si vous ne prenez pas emolument. Même si vous dites, ben non, maman, étant donné que président de la République, il ne faut pas qu'on s'attrace. Ou d'un office of emolument. Vous pensez que ça mérite de step down? Va faire ma série malmo qui ont un bien de citer l'eau là. Voilà, nous nous dire une disqualifiée comme présidente de la République. Nous ne pouvons pas dire. Plus que l'immédiat, c'est qu'il veut dire. On nous veut dire qu'il est une disqualifiée comme présidente de la République. Nous bien tini-tini. Ça a fait développer. Là, nous arrivons là. Et si vous voulez dire autre chose, demain, on dire autre chose. Mais à this point in time, nous rendons public par l'information. Si mon information pas bon, si nous l'information pas, démenti, prouvé, mais pas cover-up. Là, dans les deux cas, le danger, c'est cover-up. Oui, s'il y en a d'autres questions. Vous avez dit selon vous l'information est dans l'ancienne correspondance entre la Banque de Maurice et Stéthaus. Oui. Et sa correspondance parle de quoi selon l'information? Ben, devinez qu'il y parle de Sobrino, après mon renseignement, de l'affaire. Avant de m'en perdre, ma licence, etc. Mais de maman de faveur, non? Je ne connais pas qui est dans la dame. Moi, je connais seulement, je ne sais pas quand tout quelque chose n'est pas rempli, je connais seulement qui. Selon mon renseignement, il y a un échange de correspondance. C'est parce que la menace pour chez nous. Il y en a? Ah, il fait pour chez nous. Tu peux pas lire la gazette avant que je ne fasse pas. Non, c'est la gazette qui est ratée, non. Mais la gazette qui gagne. Il fait pour chez nous. Je verrai en cours. Ok, merci. Oui. Une chose, dire que quand on va dans l'euro, je ne sais pas, là, il y a aussi des élections générales anticipées, et il y a plus d'un test qui part de données, il y a une grosse élection générale anticipée avant les élections. Enfin, les élections. Comment vous interprétez ça? Il dit, je moi, je dis, mon frère, mais vous ne m'avez pas causé, hein, moi, il m'a. Peut-être qu'il y a un pouvoir massif. Connais-moi. Il y a un pouvoir démissionner comme député. Quand c'est une élection partielle, ça y est, non, définitivement. Élection générale, vous connaissez qui la loi prévoit, nous connaissons dans quelles circonstances, on va même imposer une élection générale. Mais dis-moi, qui dit vous voulez dire exactement. On rencontre Ban Morson à Raptown par rapport au problème de l'écologie. Vous n'avez pas changé de poste, mais sur. Mais ça a commencé à ce qu'il y a là. Vous pouvez me dire, vous prenez une conférence de presse, spécialement l'OL Rati, vous pouvez refaire un rentrage. Mais ça a commencé à ce qu'il y a là. Mais, parce que, d'après ce qu'ils m'ont trouvé, une coupe, soi-disant, pour diminuer le coût. Mais ça a commencé à ce qu'il y a là. Partout, voilà. Mais. Pour vous remercier. Ok, thank you.